Remercié soit en tout instant. Jésus, très saint sacrement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Loué et remercié soit en tout instant. Jésus, très saint sacrement. Avant notre prière des premières vêpres de l'Annonciation du Seigneur, nous allons rester un instant en silence, en adoration devant le Seigneur. En mettant au pied de l'autel de sa présence réelle toutes nos intentions de prière faites aujourd'hui, en priant pour toutes les victimes de cette épidémie, pour toutes les personnes actuellement malades, pour tous les médecins, infirmières, aides-soignantes et pour toutes les familles de notre paroisse. Restons en silence. Prions et adorons le Seigneur.
Dieu vient sa monnaie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui siège là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la
pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Un rameau sortira de la racine de Jessé, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il t'envoie sa paix au ciel et terre, habite son peuple de parcours. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il jette un panier de glaçons devant ce froid qui pourrait tenir. Il envoie sa parole sur viande de gel. Il répand son souffle, les seaux coulent. Pas un peuple qu'il est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Siècle des siècles, amen. Le Seigneur lui donnera le trône de David, et son règne n'aura pas de fin. Aujourd'hui, le verbe éternel, né du Père avant les siècles, c'est anéanti pour nous. Le Christ Jésus est en la condition de Dieu. Ne retiens pas chez les humains. Et en la condition de serviteur.
Devenons obéissants jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi tu l'as accepté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tes noms. Afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au ciel et sur terre et aux enfers. Et que toute langue proclame Jésus-Christ Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles de siècles. Amen. Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Il était au commencement près de Dieu, il habitait parmi nous. Il habitait parmi nous. C'est lui le Fils unique, dans des grâces et des vérités. Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Thank you.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, tous les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. Père éternel, aujourd'hui à la voix de l'ange, tu fais lever une aurore sur le monde. Dieu vivant, donne-nous la vie. Tu choisis la Vierge Marie pour être la mère du Sauveur. Regarde avec amour ceux qui attendent leur délivrance. Dieu vivant, donne-nous la vie. Par la voix de Gabriel, tu annonces à Marie la joie et la paix. Accorde-nous de reconnaître en son Fils celui qui comblera l'espérance des hommes. Dieu vivant, donne-nous la vie. Marie accueille ta parole, ton esprit la couvre de son ombre, et le Verbe habite parmi nous. Prépare nos cœurs à le recevoir. Dieu vivant, donne-nous la vie. Tu élèves les humbles, tu combles de bien les affamés. Nous te prions pour les plus petits et les plus méprisés d'entre nous, pour ceux qui ont faim et ceux qui vont mourir. Dieu vivant, donne-nous la vie. À toi rien n'est impossible, seul tu fais des merveilles. Rends-nous la vie au dernier jour. Dieu vivant, donne-nous la vie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
et libera nos a malo. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Panem de celo prestitis tieis. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quae sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis, iugiter essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Yeah.
ci-devant des tentations s'élève, si tu es